C'est à vous la suite à notre table ce soir. Deux hommes qui, chacun à leur façon, tutoient les profondeurs. L'un plonge en apnée à 20 milieux sous les mers, le second, homme de lettres, critique littéraire, éditeur, sonde désormais les abysses de l'âme humaine à travers l'écriture. Bonsoir Jean-Paul Enthoven. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Gérald. Merci à bonsoir. Tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher Fabrice, d'être resté. Par amitié pour Jean-Paul, oui. Enthoven. Je bois le verre et je vais faire mes petites lumières. Je dois dire quand même que c'est très difficile de passer Fabrice. Hein. C'est très difficile de mener une émission avec Fabrice Luchini. Donc c'est, que ce soit difficile pour nos invités, pardon, mais on est tous dans le même bateau, cher Jean-Paul. Vous n'avez rien à faire quand il est là. Exactement, il n'y a rien à faire. Donc c'est facile. Et je sais que vous êtes très curieux, Fabrice, du record qu'a battu Arnaud le record du monde d'apnée en descendant à 112 mètres de profondeur en 3 minutes et 24 secondes. Regardez les images, Fabrice, et un mot derrière. Il n'y a rien là. C'est magnifique. Bravo. Ouais. Bravo. Bravo Arnaud. Et je sais que vous impressionnez Fabrice parce que combien de temps vous êtes capable de rester sans respirer ? 7 minutes. 7 minutes. Et vous pourriez apprendre à Fabrice à ne pas respirer pendant une minute oui, ou plus ? C'est parti. Non. Là, vous ne respirez plus, Fabrice. Il y a la montre qui défile, je vois. Notre travail, sans citer Carrère, c'est l'inspire et l'expire. On passe notre temps dans le yoga et notre métier n'existe que par l'inspiration, c'est-à-dire n'attaquer la réplique quand elle a d'abord été éprouvée charnellement, comme dit Jouvet, et expirer jamais dans le souffle. Mais enfin, c'est un autre métier. Moi, je vais vous laisser. Non, que... juste avant de nous laisser, puis après, on parlera de tranquille. Ce qui plaisait à Blanche. J'aime énormément M. Enthoven. Exactement. Parce qu'il est l'incarnation d'une élégance d'un homme que j'admire, qui est comme Paul Morand. Il ne partage pas du tout la sensibilité politique. Mais Paul Morand est un immense écrivain. Je crois que tu ne peux pas t'opposer à ça. Et Enthoven est dans cette longue tradition d'enfin des gens pas... solennel et lourd. Et son livre s'inspire un peu d'un... Enfin, ressemble un peu à un livre de Paul Morand, Ecate et ses chiens. Picasso disait que la lumière d'un tableau vient toujours d'un autre tableau. Mm. Et de la même façon, on peut dire que la lumière d'un livre, ça vient toujours d'un autre livre, pas de la réalité, ça vient d'un autre livre. Et moi, ça vient de Ecate, de Paul Morand, bien sûr. On va en parler longuement. Juste avant que vous nous quittiez, Fabrice, un petit bonus avec plaisir de Bertrand et qui vous concerne. Tout à fait. Si vous aimez les poutres apparentes, jeudi, TMC lance son nouveau programme. Ça s'appelle L'Agence. Un programme dans lequel vous suivrez le quotidien d'une famille d'agents immobiliers. Bah, je suis chargé. Dedans. Exactement. C'est pour ça que j'en parle, Fabrice. Oh, pardonne-moi. Oui. Non, mais pas du tout. Je vais te raconter très rapidement. Il cherche des biens d'exception pour des clients dits exigeants dans la bande-annonce. Et vous menez un combat, Fabrice, contre lequel je suis entièrement avec vous. Vous luttez contre le jargon immobilier. Extrait. Et je pourrais. Vous n'allez pas m'employer le mot pièce à vivre, si ? Non. Parce que moi, c'est un terme que je déteste chez les agents immobiliers. Ils disent toujours, il y a une pièce à vivre. Ouais. Une pièce, c'est plutôt pour vivre, à moins de mourir de gueule. Alors, je vais vous raconter très rapidement et après, je vais vous laisser avec M. Enthoven et ce merveilleux jeune homme qui a un physique que Cocteau aurait adoré, parce que le corps est énorme, sublime, et il est fin. Vous êtes beau intérieurement. Merci. Ce que je voulais vous dire, c'est que je cherchais des petits bureaux pour ma petite société modeste, hein, petit, toujours épicier arabe, tout petit. Je ne cherchais pas 15, que je ne voulais pas un bureau comme Clapton, hein, je cherchais un 40, 60 mètres carrés. Me v'la-t-il pas qu'il me propose un endroit qui me convient, dans le 18e, très très bas, vers la Gouda, puis il me dit, mais le problème, si ce bureau vous plaît, il faut acheter l'ébénisterie. Je dis, comment ça, acheter l'ébénisterie ? Ah bah, il faut acheter tout. Je dis, mais moi, je n'ai pas besoin d'une ébénisterie. Et il me dit, soyez gentil, sinon un promoteur va acheter cette ébénisterie. Et là, moi qui ne suis pas de gauche, un sentiment organique d'envie de défendre ce qui est, comme dit Peggy,
le génie de cette race française, le génie des artisans. J'ai acheté un truc qui ne me sert à rien, j'ai une ébénisterie et j'ai 6 ouvriers dedans. C'est ça être de gauche. À très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt, je t'appelle. Appelons-nous demain. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Fabrice. Le dîner que ne goûtera pas Fabrice, cher Marvic Medina, qu'est-ce ? Alors, ce soir, je fais de la courge marinée, puis rôti. Avec les graines, je ne fais un petit pralin. Et puis avec un burrata parisienne. Merci beaucoup et merci pour cette semaine passée en votre compagnie. Cher Pierre, la parole est à vous. Jean-Paul Entoven, vous n'avez pas attendu d'être vous-même écrivain pour décrocher une invitation chez Bernard Pivot. On est en 1987 et vous venez sur le plateau d'Apostrophe pour présenter 2 livres de Cioran. Ça va vous rappeler des souvenirs et on reparle du casting de ce soir-là juste après. Jean-Paul Entoven, je crois que c'est votre première apparition à la télévision et je vous ai demandé de venir parler de Cioran, que vous aimez beaucoup. Oui, c'est vous appréciez depuis longtemps. Oui, oui, absolument. Il a une maîtrise d'abord parfaite du français. Oui, alors ça c'est assez singulier. Il a choisi d'écrire en français, mais pas dans n'importe quel français. Il fallait quelque chose qui le tienne. Et il n'a rien trouvé de mieux que le français du XVIIIe siècle. Et franchement, je crois qu'il n'a pas tort. Parce oui, il n'a pas tout à fait tort. Il y a une phrase sur le français magnifique de Cioran où il dit que c'est l'idiome, je crois. J'espère le citer exactement. Oui. L'idiome idéal pour exprimer délicatement des sentiments équivoques. Non seulement c'est votre première télé, mais vous êtes sur le plateau avec Solers qui a joué un rôle dans le déclic qui a fait de l'éditeur et du critique un écrivain. Oui, c'est vrai, mais une seconde avant, si vous permettez, Pierre. Le lendemain matin, je vois Cioran, il ne voulait pas aller à la télé, il n'est jamais allé à la télé, et on marche un peu dans la rue de Tournon et dans le Luxembourg, et comme j'étais passé chez Pivot la veille, c'était très important de passer chez Pivot, et tout le monde venait me demander des autographes, alors que Cioran était à côté de moi, en me demandant, monsieur Cioran, vous pouvez bien, et Cioran était heureux de ça, etc. Oh, c'était très drôle. C'est magnifique. Et pour répondre à la question sur Philippe Solaire. Répondre à la question de Pierre, oui, en effet, je tardais à écrire, et un jour, Solers m'a dit que je devrais quand même m'y mettre parce que, finalement, son nom tout seul, ça figurait rarement sur les documents de la vie. Et ça figure sur un livre, ça figure aussi sur une tombe. Mmh. Et cette phrase, étrangement, a été un déclic très particulier. Mais ça nous amènerait trop loin. Marion. Ce qui plaisait à Blanche est votre 4e roman, en lice pour le prix Renaudot, un roman entre Visconti et Kubrick, l'histoire de Blanche de Haine, très riche, très belle, très libre, qui ne jouit que d'être regardée. Le plus intéressant, qui est très intelligente surtout. Oui, très intelligente également, et qui ne jouit, qui a cette particularité aussi, que d'être regardée par l'être aimé dans des soirées qui évoquent le film Eyes Wide Shut ou le roman de Paul Morand dont on parlait tout à l'heure, et 4. Le narrateur se retrouve spectateur de tableaux dont il aurait peut-être préféré être le sujet dans le rôle de l'élu, alors qu'il aurait peut-être aimé être l'amant, mais celui qui en parle encore le mieux, c'est l'un de vos meilleurs amis. Écoutez-le. Le livre est objectivement très beau, formellement très réussi, et qu'il parvient à faire ce qu'est le rêve de tous les romanciers, c'est-à-dire à donner vie à des personnages. C'est un livre solaire et sombre à la fois. Et je crois que Jean-Paul Entoven est ainsi. C'est un être de lumière, de joie, de volupté, un personnage stendhalien qui a le culte du bonheur, et d'un seul coup sa météo intérieure se couvre et s'assombrit tellement dans ce livre. Est-ce que vous vous reconnaissez? Oui, bien sûr, c'est bien d'avoir des bons amis, hein, quand même. Et oui, je me reconnais, bien sûr. La mélancolie, ça va avec, comme l'ombre va avec le soleil. Il n'y a pas d'ombre sans soleil. Et Victor Hugo disait que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. C'est vrai que j'habite un peu ce pays-là, voilà. Le bonheur d'être triste. Dans ce roman, on reconnaît des génies français qui vous sont chers. Proust, Baudelaire, Aragon, Stendhal et sa devise « se foutre carrément de tout ». Une devise qu'on aimerait tous appliquer. Vous y arrivez, Jean-Paul ? Alors, oui, c'est la devise de Stendhal, c'était S-F-C-D-T, « se foutre carrément de tout ». Évidemment, c'est impossible, mais il faut s'y efforcer. C'est le prix de la liberté. C'est-à-dire être
incroyablement vigilant et attentif et en même temps détaché. Ne pas adhérer au rôle que la société, que la littérature, que la ville nous inflige, s'en acquitter, mais être à distance, voilà. Ne pas adhérer. C'est difficile. D'ailleurs, Cioran, dont on parlait, disait « n'a de conviction que celui qui n'a jamais rien approfondi ». Est-ce que c'est toujours facile de rester à distance quand des événements vous blessent plus personnellement ? Non, non. Je sais à quoi vous faites allusion. C'est... La sortie du livre de votre fils, Raphaël Enthoven, qui ne vous épargne pas. C'est extrêmement douloureux. Il y a... François Sagan disait « On ne sait jamais quelle surprise nous réserve le passé ». Et là, je peux dire que j'ai été servi. Mais écoutez, j'espère que ce livre lui a fait beaucoup de bien, parce qu'à moi et à quelques autres, ça a fait beaucoup de mal. François Sagan, qui faisait des ordonnances littéraires à ses amis quand ils avaient du chagrin. Elle m'envoyait des... Il y avait des fax à l'époque. Donc je recevais des ordonnances littéraires pour un chagrin d'amour... Deux jours avec le rouge et le noir, matin, midi et soir. et donc, des ordonnances littéraires. Et j'avais un petit paquet, parce que j'avais souvent besoin de sa médecine. Et puis, il y a peu de temps, je me suis dit, tiens, on va sortir ça dans une revue, c'est amusant. Je suis allé, et c'est un papier thermo, je ne sais pas comment on dit, et tout était blanchi, c'était fini. Ça m'a beaucoup ému. Je gardais ça précieusement dans une chemise et tout avait blanchi. Donc je n'avais plus l'ordonnance littéraire, mais j'ai le souvenir des ordonnances littéraires. C'est magnifique, je trouve, d'imaginer prescrire des ordonnances littéraires à ses amis tristes. Est-ce que vous lisez toujours votre horoscope ? Pardon de vous ramener je vous ramène sur le plancher des vaches. Est-ce que vous lisez toujours votre horoscope ? Oui, bien sûr. Oui, c'est incroyable, vous avez cette habitude. Oui, non, mais c'est de la pensée magique. Je suis un ami de la pensée magique. mais ça n'a aucun sens. Mais on aime y croire, exactement. Non, je n'aime pas y croire, mais c'est une vérité empirique. Il y a très souvent, par exemple... C'est autoréalisant, je prends tous les risques autour de cette table. Mes meilleurs amis ont toujours été scorpions. Mes pires ennemis ont toujours été gémeaux. C'est empirique. Et les lions, vous êtes comment avec eux ? Je les respecte beaucoup. Ah ben voilà, ça tombe bien. Le cancer, ça peut passer ? Je n'ai pas de dossier sur les cancers.